Nous sommes tous égaux devant la somme de réussite, qu'elle soit pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et à votre avis, pourquoi? Eh bien, c'est à cause d'elle. Elle est là. Elle attend. Elle attend l'heure pour frapper en plein cœur. Mais attention, elle arrive comme un voleur. Tu ne l'entendras jamais s'approcher car le silence est son complice. Telle une âme en peine, elle peut venir à toi, maquillée, masquée, même costumée, et tu ne te douteras jamais de ses véritables intentions. Elle arrive à toi, illusoirement conquérante, et tu y crois aux belles paroles qui te flattent et qui te mènent là où on veut que tu sois. Attention toutefois aux marques qu'elle te laissera. Elle est là, et elle attend son tour, car pour elle, il n'y a pas de jour et pas de nuit. Et malheur à celui qui laissera entrer dans sa maison la fidèle, criminelle et déloyale trahison. Mais qu'est-ce que ça veut dire trahir pour réussir? Faut-il être déloyal pour avoir une fin heureuse et pour que votre histoire se finisse tel un conte de fées avec cette phrase mythique « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » Et puis, de toute façon, la trahison, c'est quoi? Trahir signifie quoi? Hypocrisie? Mensonge? Fourberie? Perfidie? Tuperie? Lâcheté? Dénonciation? Divulgation? Infidélité? Adultère? Crime! Mais aujourd'hui, nous savons que pour réussir de façon pérenne dans la vie, c'est la sincérité qui prime. Vous n'avez pas l'air de nous croire, mais c'est vrai. Et malheureusement, ces personnes sincères se font de plus en plus rares et c'est les seules à qui l'on peut faire confiance. Ah, confiance. Ce sentiment de pouvoir se fier à une personne en toute sécurité qui finalement est à l'origine de cet acte fourbe, sournoisement mené et injuste. Et oui, parce que sans confiance, on ne peut pas être trahi. Trahir, c'est blesser. Trahir, c'est briser, c'est tromper cette confiance qu'une personne nous accorde. Dans un langage un peu plus violent, c'est lui planter un couteau dans le dos. Un peu comme Macron envers les Français, si vous préférez. Amour, gloire et beauté. Et argent. Voilà les mots auxquels on pense lorsque l'on évoque la réussite. Mais la vraie définition de réussir, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement pouvoir accomplir ses objectifs, aboutir à un succès final, et surtout avoir un sentiment de bonheur grâce à ça. On vous dira que tous les moyens sont bons pour réussir, n'est-ce pas? Et voici la recette qu'on pourrait vous donner. Premièrement, préchauffez votre trahison en trouvant la faille d'une personne, son point faible. Puis, trahissez-la, jouez-en, rabaissez-la, tout ça pour obtenir le poste à sa place, par exemple. C'est une technique très prise au présidentiel, sinon on n'aurait pas le beau pouvoir. Ensuite, comme Jean-Claude Roman a pu le faire, abusez un petit peu de sa gentillesse, de sa naïveté ou bien de son argent, versez le tout dans un grand saladier puis mélangez, vous obtiendrez à coup sûr tout ce que vous désirez. Ajoutez une pincée d'abandon, et pour plus de précision, contactez Macron, lui qui a trahi Hollande. Eh bien oui, puisque figurez-vous qu'il a démissionné de son poste de ministre de l'économie pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Il a laissé Hollande tout seul, ce cher Hollande qu'il avait accueilli au Parti Socialiste et aux portes de l'Élysée. Oui, enfin Hollande a également trahi sa femme, infidélité, adultère et j'en passe, comme quoi la roue tourne, c'est l'arroseur arrosé. Ensuite, assaisonnez votre préparation avec une poignée de piment en livrant, en dénonçant, en révélant la personne, comme l'a si bien fait Judas envers Jésus. Choisissez, pardon, de préférence vos amis les plus proches, meilleur sera le résultat, car comme dit si bien Rivarol, dans chaque ami, il y a la moitié d'un traître. Super, on peut dire que la confiance règne. Versez le tout dans un grand moule, il faut avoir cran pour réussir, et enfournez-le pour quelques années, avant que tout ne vous retombe dessus. Bon appétit, et surtout ne prévoyez qu'une seule assiette. Pour vous seul, bien sûr, parce que ce qui est sûr, c'est que vous ferez appeler Arthur. Ou Léon. Et que personne ne voudra vous tenir compagnie. Trahir pour briller, trahir pour de l'argent, pour de la reconnaissance ou bien même pour arriver au pouvoir. Et oui, même dans les dessins animés, les plus gros traîtres existent et vous devez certainement en connaître un. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du roi Lion? On vous en dit pas plus, on va à vous de vous remémorer l'histoire. Et d'ailleurs, vous-même, vous n'avez jamais senti trahi par quelqu'un que vous aimiez? Imaginez-vous quelques secondes que pour prospérer, pour de la reconnaissance ou pour de l'argent, votre meilleur ami, votre frère, votre sœur, votre professeur préféré, puisse profiter et se servir de vous. Et à ce moment même, vous vous demandez, en serait-il capable? Ou si vous vous appelez Rémi et que vous mangez des curly, vous vous dites, qui pourrait bien faire ça? Eh bien, méfiez-vous des manipulateurs. Le manipulateur vous séduit, le manipulateur vous conduit par des chemins de traverse pour assouvir ses intérêts personnels.
Il revêt son plus beau costume, son plus beau masque, pour vous montrer un visage plus séduisant. Il est partout tel un serpent. Il enroule sa queue autour de vous. Il vous envahit, puis vous prenne tout ce que vous pouvez leur donner. Et au moment où ils vous ont tout pris, ils vous laissent pour chercher une autre proie, sans aucun regret à vous abandonner. Mais soyons lucides, la trahison n'est pas un acte qui sort de l'ordinaire. Ça existe bien plus que vous ne le pensez, et ça peut arriver à n'importe qui. Alors, voulez-vous ressembler à ces manipulateurs sans cœur? Voulez-vous faire partie de cette population à cette bassesse morale? Vous et les 7,530,032,000 habitants restants ont tous un but différent. Pour certains, comme Judas, c'est la richesse. Pour d'autres, c'est la gloire, le succès ou la reconnaissance, comme le voulait tant Jean-Claude Roman. Cela n'est-il pas révoltant? Au nom de toutes ces personnes brisées, la trahison au service de la réussite est sans aucun doute parmi toutes les souffrances qu'un être humain puisse vivre, l'une des blessures qui laisse les cicatrices les plus profondes. Eh bien oui, parce que cela peut arriver à n'importe qui. À Tiphaine... à Tiphaine, Flavie, Roxane, et à même à vous, Monsieur Seurat. Il y a même peut-être des manipulateurs cachés dans cette salle. Voulez-vous leur ressembler? Voulez-vous faire partie de ces gens? Non. L'un d'entre nous pourrait très bien vouloir, dans quelques années, obtenir une promotion, ou bien comme Macron, vouloir accéder au pouvoir. Nous sommes tous prêts à tout pour y arriver, et même parfois à dépasser nos propres limites. Lance Armstrong pourrait bien vous témoigner de cela, d'ailleurs. Mais alors les traîtres, on pourrait dire qu'ils réussissent puisqu'ils atteignent leur objectif finalement. Mais est-ce une véritable victoire? Vont-ils vraiment réussir? Est-ce une vraie réussite? Est-ce que c'est un véritable succès final? À la fin, réussissent-ils vraiment à être heureux après leur trahison? Eh bien visiblement non, puisque après une trahison, plus rien ne va. Si nous reprenons nos exemples, nous voyons bien que Jean-Claude Roman a fait la prison et se retrouve actuellement seul, Scar est mort, Judas est victime d'une mauvaise réputation, et aujourd'hui, comme on le sait, la France et Macron, ça fait deux. Et oui, puisqu'il faut savoir que réussir en trahissant est une réussite de courte durée, loin d'être stable et continue. L'éthique, c'est-à-dire la réflexion fondamentale sur laquelle la morale d'un peuple établit ses limites, ses normes ou bien ses devoirs, ne certifie pas une réussite durable et encore moins une réussite à long terme. Plus simplement, si vous trahissez pour réussir, cela provoquera certes des effets positifs, mais qui seront de courte durée et surtout avec beaucoup de répercussions. N'oubliez pas que toute trahison se saura un jour. Tout finit par se savoir, et même les choses les plus personnelles. N'est-ce pas, Benjamin Griveaux? Depuis la nuit des temps, les êtres humains naissent en voulant réussir. Dans cette quête, il y a deux catégories de personnes. Les battants gagnants et les battants perdants. Le battant gagnant, lui, il se bat pour réussir. Il n'a pas peur de l'échec, au contraire, il le considère comme une source d'enrichissement. Il se fixe des buts, des objectifs, met tout en œuvre pour les réaliser sans jamais tricher. Il contribue à l'évolution des autres et reste toujours positif. Le battant perdant, lui, il triche pour réussir. Il se sert des autres pour arriver à ses fins. Il se fixe des buts au détriment de ses amis les plus proches aussi. Aucune réussite stable et pérenne ne peut découler d'un comportement immoral. Et comme le dit si bien Sénèque, la vie est pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Alors, choisissez dès aujourd'hui quel rôle vous voulez jouer. Celui du gagnant ou celui du perdant ?